Alors, ce voyage, donc partir pour l'Inde, acheter un billet, aller simple d'une amie qui revenait de l'Inde et qui avait dû revenir en catastrophe pour des raisons de santé. J'achète ce billet, aller simple. Elle m'amène à New York parce que le billet était New York-Delhi. Et je passe le comptoir de la compagnie qui était, je ne sais plus quoi, qui faisait le tour de la Terre, je pense. Et puis... avec son passeport, elle fait l'enregistrement des bagages. À l'époque, c'était possible. Et là, je pars comme ça. Imaginez aujourd'hui, hein, des choses pareilles ne seraient absolument impossibles. Alors, je pars avec mon billet et avec un peu d'argent. Et voilà, on va faire ce qui s'appelait dans le temps la route. Hein? Donc, mais avec, en arrivant directement à Delhi. Alors, cette fille qui avait rencontré la différence, entre guillemets, à travers la folie et à travers d'autres signes dont j'ai parlé tout à l'heure, se retrouve, mais vraiment sans aucune préparation, dans un monde qui exigeait finalement, par la suite, un retour sur l'expérience, ce que m'a permis l'anthropologie. Donc, j'ai passé un an comme ça à voyager, plusieurs mois en Inde, le Népal, et la rencontre des mondes religieux, finalement, et la rencontre aussi de l'extrême pauvreté. Si je pense à ce qui me reste de beaucoup de choses, mais de ce qui a été certainement très, très marquant, c'est la très grande spiritualité. Et cette spiritualité-là, je pense que j'y étais pas du tout préparée pour entrer. Hein. Je voulais faire ça, je voulais aller à Auroville, Sri Aurobindo et toutes ces choses-là. Mais quand j'ai mis les pieds en Inde, j'ai compris que j'allais pas faire ça, que c'était pas ça, que j'allais peut-être voyager, mais que j'étais pas préparée suffisamment pour faire un travail de ce type-là. Et donc, je voyageais seule. Puis, au gré des rencontres, je me faisais des amis, et puis, change de destination, Et comme ça, j'ai visité le nord de l'Inde, et puis, je suis allée du côté du Dalai Lama. Pour ensuite... décidé de faire un autre bout de trajectoire après avoir rencontré des personnes qui en revenaient et ça m'intéressait beaucoup, donc qui étaient allées travailler en Israël dans les kibbutz. Alors, je suis partie de Delhi en avion pour aller à Tel Aviv et me retrouver dans un kibbutz pendant plusieurs mois. Je ne pouvais pas traverser l'Afghanistan par la route, ce qui se faisait à l'époque quand on faisait ce type de voyage. Et puis finalement, ça m'attirait plus de faire un autre chemin. Et ça, ça a été extrêmement important aussi. Et là, la question juive, pour laquelle je n'étais pas bien préparée non plus, on voyageait comme ça. Hein? Les jeunes, maintenant, je pense que les jeunes sont bien mieux préparés quand ils font ce genre de voyage. Mais là, tu le vis, tu pars, c'est ça que tu fais. Et là, je me suis retrouvée au kibbutz Guinegar, le troisième plus vieux kibbutz en Israël. Et ça, ça a été extraordinaire parce qu'il y avait des gens qui avaient été dans les camps de concentration avec les numéros tatoués sur le corps. Il y avait des gens qui étaient fous aussi, qui en étaient revenus, mais qui restaient là. Donc, c'était une communauté. Hein? Il y avait des gens très âgés qui étaient là aussi, des gens de toutes les générations. Et moi, je travaillais à la cuisine, je pelais les patates, je faisais des choses très simples, mais qu'est-ce que j'avais comme récit? Qu'est-ce qu'on me racontait sur l'histoire de la fondation des kibbutz, sur ces gens qui étaient venus avec un idéal socialiste, avec l'idée de refaire le monde, avec l'idée de reconstruire
une société sur des bases égalitaires, des femmes qui vous disent, on est arrivé, on était trois, quatre, on était dans le désert, et puis on se demandait comment on allait faire l'école, comment on allait transmettre, comment on allait faire les choses autrement, sans les références anciennes. C'est extraordinaire de pouvoir avoir accès à des histoires comme celle-là. Jamais on ne parlait des camps de concentration. Jamais. Mais il y avait des cours qui étaient donnés pour les enfants qui apprenaient la signification du « jamais plus ». « Never again », qui est la devise hein, de l'État d'Israël. Et j'ai été en contact, bien sûr, en sortant du kibbutz avec des Palestiniens. Mais à un moment où est-ce que cette difficulté entre... Il y avait eu la guerre des six jours, mais c'était difficile, sans des références approfondies, de comprendre tout ce qui se passait vraiment. Mais j'étais très attachée, à l'époque, à cette expérience des kibbutz, à ce que ça a voulu dire de partir d'Europe, à l'idée d'un monde socialiste et à cette préservation d'une identité qui était omniprésente dans le kibbutz et de tenter de comprendre ça sans jugement. Bien sûr, aujourd'hui, on peut regarder ça avec d'autres références, d'autres histoires, mais ça a été très important. Et la visite de Jérusalem a été une révélation. Là, on va se replacer dans la petite histoire catholique de la ville de Québec trop blanche. Et on revient sur les Vendredis Saints, je ne sais pas, mais j'ai une histoire avec ça. Donc, un Vendredi Saint, on va... En fait, on est quelques-uns du kibbutz, des jeunes qui étaient volontaires à partir, puis à dire, on va passer Pâques à Jérusalem et puis on va vivre cette expérience-là. Et là, de comprendre qu'à Jérusalem, il y a deux tracés de chemin de croix. Ils ne s'entendent pas tout à fait hein, sur le lieu du calvaire. Et puis, là, déjà, c'est un éclatement des références catholiques. Plus la rencontre du mur, des lamentations. Plus la mosquée. Tout ça est dans une si petite ville, comme Québec, finalement. Hein, Jérusalem, c'est pas très grand. C'était extraordinaire. Et là, la question m'est venue. Ça a été aussi important que la psychiatrie avec l'autre monde. C'était comment peuvent-ils croire? Puisqu'ils étaient les uns à côté des autres, tous aussi croyants les uns que les autres, tous aussi engagés dans la pratique religieuse et revendiquant des univers de référence contrastés, pour le moins. Ça a été le début, je dirais, d'un vrai questionnement anthropologique. Et là, ça a fait éclater des choses. Puis ensuite, bon, j'ai voyagé dans d'autres pays après cette expérience-là, mais ça a été vraiment extrêmement, extrêmement important. Je me suis retrouvée à la fin du voyage chez cette professeure d'anglais qui m'avait donné des cours, cette française professeure d'anglais qui m'avait donné des cours et de qui j'avais eu les nouvelles de mai 68 et de tout ce qui se passait en Europe et qui m'a accueillie, avec qui j'avais continué une correspondance et qui m'a accueillie et qui m'a offert à ce moment-là, si tu veux faire l'université parce qu'elle trouvait, je m'excuse pour mes amies infirmières, mais elles trouvaient que je perdais mon temps complètement, que je devais faire absolument autre chose, que ma vie ne devait pas être là, parce qu'elle avait été témoin aussi des difficultés de pouvoir aller à l'université, ce qui m'intéressait, et que ça n'avait pas été possible. Donc, elle m'offrait de vivre avec ses deux filles, donc dans son appartement à Paris, puis de pouvoir étudier là-bas. Mais ça m'a fait un peu peur. Peut-être que je ne voulais pas avoir une deuxième mère. Une, ça peut suffire.
Et puis, peut-être que j'étais pas prête. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à regarder tout ce qu'il y avait, l'offre de cours, quand même. Puis elle m'apportait de l'information et tout ça. Puis j'ai vu anthropologie. Oh, anthropologie. C'était si défini largement que ça allait faire, ça allait le faire. J'avais tellement de questions. Et puis, j'avais pas une représentation trop fixe de ce que ça pouvait faire un anthropologue. Et ça, je pense qu'avec mon goût de l'inconnu et mon goût de l'aventure et mon goût de... Et puis ça avait l'air assez proche de la philosophie finalement, avec les questions qui étaient dedans. Alors, comme ça faisait le pont pas mal avec ce grand voyage et puis la philosophie, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être l'anthropologie. Mais ça n'allait pas être en France. Alors, je suis revenue au Québec. J'ai réintégré mon travail d'infirmière en psychiatrie et puis j'ai contacté Yvan Breton. Yvan, qui était le frère d'une amie, d'une grande amie à moi, Mariette. Et je voudrais aller en anthropologie. Est-ce que, parce que je l'avais rencontré, Yvan Breton, qui arrivait du Venezuela avec son teint basané, qui arrivait de ces terrains incroyables, accueilli de façon merveilleuse par sa mère, qui avait une admiration pour lui, et puis ça s'est un peu transformé. Donc si, ce qui était cette espèce de personnage incroyable. Voilà. Alors, il a été extrêmement généreux avec moi à une époque où on n'accueillait pas les étudiants n'importe quand dans l'année. Là, hein. C'était pas possible. Il y avait des dates bien précises pour pouvoir me faire une demande d'admission. Et donc, j'ai présenté mon dossier et puis ça n'a posé aucun problème et j'ai été admise. Donc, je reviens quelque part de ce grand voyage vers le mois de mai. Je reprends quelques jours plus tard le même emploi que j'avais eu comme infirmière parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de problème d'emploi. Et puis, je sais très rapidement que je vais pouvoir étudier en anthropologie. Et là, dans mon esprit, je vais faire de l'anthropologie, mais je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave, je vais commencer ça. Et puis peut-être que je pourrais faire un peu de santé communautaire, faire autre chose. Ça, c'était pas très, très clair. Et là, je fais mes 5 premiers cours et je suis pas sûre que je comprends tout ce qui se passe là. On est dans des classes de 200 étudiants, c'est extraordinaire, il y a une ambiance d'enfer. Et y avait déjà des grèves à cette époque-là. C'était très populaire. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Moi qui venais d'un milieu très populaire et dans lequel il fallait travailler très, 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 très fort pour arriver à quelque chose, je ne comprenais pas qu'on puisse faire la grève pour des photocopies. Parce que, imaginez-vous, on faisait la grève pour avoir le droit au recueil de textes, les photocopies. Alors, ça me choquait un peu. Donc, je n'ai pas souvent participé à ces mouvements-là, mais je me souviens d'Yvan Breton qui, un jour, fait une grande assemblée. Là, on était vraiment 200 étudiants, là, vous imaginez. Et puis là, qu'il fallait maîtriser l'affaire et qu'il avait été très, très, très rigoureux dans la gestion de la grève. Mais ça me fait toujours bien rire quand... il y a des choses très sérieuses qui se passent dans les grèves, mais je pense toujours à ces événements-là et ces moments où est-ce qu'on vit ça de façon, comme étudiant, très, très... c'est très, très engageant, si on peut dire. Mais ça me questionnait beaucoup, la manière dont les choses se passaient. Ceci dit, donc on avance dans l'histoire, donc je suis... Après la première session, c'est la grève des professeurs à l'Université Laval. Donc, on arrête pendant... Pour moi, ça a été un arrêt de l'hiver. Et puis, donc, c'était presque 8 mois d'arrêt. C'était bien décourageant, ça, parce que moi, j'étais bien lancée là, dans mon affaire. Et puis, j'avais eu 5 A à l'époque. C'était une affaire. Alors, fait que là, je ne sais pas trop, c'était comme un signe, peut-être que je suis capable. Hein? Ça me disait que je pouvais continuer d'aller à l'université. Parce que c'était ça l'enjeu. Puis-je rester à l'université? Et il y avait des gens comme Yvan Breton, bien sûr, mais à cette époque-là, les professeurs, les premiers professeurs, ça a été qui? Ça a été Simonis. Ça a été
ça a été François Trudel. Il parlait d'économie. Ah, mon Dieu, c'était compliqué pour moi, ça, l'économie. Et il y avait... et la religion, c'était compliqué aussi. Tout était compliqué, mais tout était intéressant et passionnant. Mais peut-être que pas la manière d'enseigner à cette époque, c'était des espèces de grands récits, hein, vous imaginez. Il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait pas... Hein, tout était... Alors, ça racontait à ces professeurs-là, puis ils en avaient long à dire. Mais je les adorais. J'ai adoré ma formation en anthropologie à l'Université Laval. Ça a été extraordinaire. Toutes ces années-là, le bac avec l'offre de cours que nous avions imaginé, c'est une diversité incroyable de propositions qui venaient d'un corps professoral, c'est quand même composé d'une vingtaine de personnes, plus ou moins. C'était beaucoup, c'était très, très riche, avec des débats houleux, des chicanes terribles entre les structuralistes et les marxistes. Mais pour les étudiants, c'était formidable, parce que c'était une école de vie, c'était une école de pensée. C'était... je pense que nous avions la chance d'être avec des intellectuels, des penseurs, des gens qui... travaillaient énormément le débat, nous donnaient accès à leur débat entre eux, et en cela, c'était très, très, très formateur, même si par moments, nous-mêmes, on se retrouvait dans des chicanes de clochers, les étudiants, puisque, ça, à l'image des professeurs, on se campait par moments dans nos petites affaires. Et ça, ça a été très important. Mais pendant ce temps-là, je travaillais toujours comme infirmière, tout le temps de mon baccalauréat. Je travaillais comme infirmière, toujours en psychiatrie. Et j'ai vécu là d'autres expériences extrêmement importantes, notamment l'histoire d'un jeune garçon que j'avais sous mes soins, qui s'était crevé un œil parce qu'il entendait des voix qui lui disaient, il avait des voix bibliques qui lui disaient de crever son œil. Et un week-end, c'était pas moi qui étais avec lui, il s'est sauvé, il a crevé son deuxième œil. Et j'ai été très, très, très frappée, choquée au sens français, très ébranlée par cet événement-là, parce que le jeune, il avait mon âge, hein, et il entendait des choses religieuses qui lui dictait de se détruire, en quelque sorte. Ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais cet événement-là a été très important, et j'ai commencé à écrire de la poésie, même si ça m'a amené encore sur un autre chemin. J'ai commencé à écrire de la poésie de façon assez régulière suite à cet événement-là. Comme s'il fallait trouver des mots que je n'aurais pas avec la science pour parler de ça. Mais la psychose, c'est quelque chose que l'on rencontre dans une vie et qui, si on accepte de s'en approcher, on peut, je pense, faire un chemin extraordinaire autour des questions fondatrices de l'anthropologie. J'aime bien parler de ces événements-là parce qu'ils sont, dans cette ville, ils sont pas très loin, ils sont très confrontants par rapport à des questions parfois que l'on se pose en étant très éloigné, en faisant une anthropologie qu'on pourrait appeler exotique, et ce n'est pas un jugement sur pour l'instant, sur ça, mais c'est de dire, il y a des expériences incroyables que l'on peut vivre et qui nous amènent aux mêmes questions que celles qui se sont posées pour des anthropologues, nos pères fondateurs, si on peut dire. Alors, à travers tout ça, ben, quand est venu le temps de faire une maîtrise, j'ai cherché à voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, ça s'est imposé très, très simplement, puisque j'avais rencontré l'antipsychiatrie, j'avais cette expérience. Donc, l'anthropologie de la santé,
ce qui s'appelle l'anthropologie de la santé m'a attirée. Et je me suis dit, je pourrais comme ça combiner mon expérience d'infirmière et la psychiatrie, puisque j'ai choisi de faire une maîtrise sur, imaginez le titre épouvantable, l'épidémiologie des désordres, épidémiologie socioculturelle des désordres psychiatriques chez les femmes de la région de Québec. Bon, c'était une façon de faire les choses à l'époque. Et il y a quelqu'un qui avait été très, très important, qui m'a guidée, dans le fond, dans mes demandes de bourse, dans la construction du projet, c'était Marc Adélard Tremblay. Mais c'est finalement Chantal Collard et Serge Genet qui ont dirigé mon mémoire de maîtrise. Mais l'idée, c'était d'étudier le discours porté par des psychiatres dans des dossiers médicaux sur des femmes que j'avais moi-même eues comme patientes. Hein? Donc, en prenant un temps long de 20... je me souviens, c'était des gens qui avaient été hospitalisés un très grand nombre de fois, je pense une quinzaine de fois, donc des cas de récurrence, si on peut dire. On m'avait permis, parce que j'avais les bonnes entrées, de faire ce genre de travail-là. Mais c'était une analyse sémiotique extrêmement ennuyante. Donc, je ne lisais surtout pas ça. Et j'avais eu un certain soutien, parce que j'avais fait du travail avec l'analyse de discours appuyée par l'ordinateur, pour une partie du mémoire. Donc, j'avais eu le soutien de Pierre Maranda, de Élie Congas-Maranda aussi, qui a été très importante dans ma trajectoire. Et donc, tout le monde se mêlait un peu de mon affaire parce que je faisais des choses qui n'étaient pas comme tout à fait habituelles. Mais le traitement par le discours m'a gênée, finalement. Et c'est ça qui, je pense, ensuite m'a amenée vers... l'anthropologie de Geertz et vers autre chose que l'analyse de discours plus basique, disons. Mais à l'époque, les sémioticiens, c'était quand même quelque chose qui m'attirait beaucoup, mais ça a été insuffisant. Il fallait qu'il y ait de l'expérience, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus sensible pour que je me raccroche mieux. Et je trouvais que ce mémoire de maîtrise était très mauvais parce qu'il ne traduisait pas ce que j'avais vraiment rencontré. Il rendait pas toute la normativité que je souhaitais mettre en évidence et aussi l'institution psychiatrique, même pseudo-libérée, je trouvais pas que j'ai pas fait un bon travail, je pense. Mais ensuite, ça a été donc l'idée de faire un doctorat, mais entre les deux, j'ai eu un emploi autre, donc parce que j'avais eu des bourses aussi, j'avais eu la bourse de la Reine, donc c'était des bourses, cette bourse-là à l'époque, c'était pour les 3 meilleurs étudiants canadiens. Alors moi, je me suis retrouvée avec ça, sans avoir demandé une bourse, tu reçois une lettre un jour, puis on te dit ça, bon. Et j'avais été donc très, très bien soutenue pour faire ma maîtrise pour du CRSH. Mais très rapidement, donc j'ai eu un emploi avant de terminer ma maîtrise. Donc j'ai fait les deux en même temps. Ça date de longtemps de faire plusieurs choses en même temps. Et là, j'ai eu un emploi au Conseil du statut de la femme pour travailler à un grand projet qu'avait le Conseil à l'époque, d'étudier toute la problématique de la santé des femmes avec une approche féministe et tout ça. Et puis moi, l'expérience que j'avais du côté de la santé mentale et à cause de mon travail sur la question des femmes en psychiatrie, ça m'a valu d'être engagée sur ce projet-là. Et là, j'ai commencé à travailler avec Maria de Coninck, qui est devenue depuis, qui a occupé la chaire d'études Claire Bonenfant, puis ensuite le poste en médecine sociale et préventive en tant que sociologue. Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, ce travail-là a été aussi très important, puisque ça m'a amené à vraiment couvrir toutes sortes de dossiers dans le champ de la santé, puis à avoir de plus grandes compétences, je dirais, autour des questions de santé, pour me dire, finalement, je pourrais en parler longtemps, mais il y a tellement de choses qu'on doit raconter dans ces entretiens, pour me dire, je pense que je ne peux pas être fonctionnaire. Ça a été très clair
même dans un endroit comme le Conseil du statut de la femme, qui était à l'époque l'endroit le plus révolutionnaire qu'on pouvait trouver au gouvernement. C'était extraordinaire, une période très, très, très stimulante avec des gens formidables. Donc, j'ai fait ce travail, on a écrit l'essai sur la santé des femmes. Le seul best-seller auquel j'ai contribué, ça a été ça. Il y a eu 4 rééditions de l'essai sur la santé des femmes. Et bon, ça a été très important quand même. Et par la suite, j'ai décidé de faire un doctorat. Donc, pendant que j'étais fonctionnaire, j'ai commencé à faire des démarches pour faire un doctorat parce que je comprenais que ça allait pas suffire. Il fallait continuer de poser des questions. Et là, la question de la sémiotique est revenue et je me suis dit, non, je ne vais pas poser. Si je travaille sur la psychiatrie, et là, c'est terrible ce que je vais dire parce que c'est de la manière dont je raisonnais à l'époque. La psychiatrie, c'est trop facile de remettre en question les normes. Si on va vers une vraie maladie, entre guillemets, vers quelque chose là qui... Alors, allons vers le cancer. Hein, ça va être... on va confronter l'institution médicale beaucoup plus fortement. Et j'avais été influencée par Elie Kongas-Maranda, qui... Je pense qu'elle m'aimait bien. Et on a eu des échanges extraordinaires. Elle adorait la poésie, et moi aussi. Et un jour, à un retour de voyage, elle m'avait dit 2 choses. La première, c'était « J'ai vu des statues si belles. Elles avaient le regard de l'histoire. » Et l'autre chose, elle m'avait parlé de Susan Sontag et de la maladie comme métaphore, de cet ouvrage-là où il était question de cancer, de symbolique du cancer et tout ça. J'ai lu ça, ça m'a vraiment, vraiment accrochée. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire un doctorat sur cette thématique-là avec Margaret Locke, qui, à l'époque, venait d'avoir un poste à McGill et qui est devenue qui on sait. Et c'était un choix d'aller à McGill. J'avais été acceptée à l'Université de Chicago pour travailler avec les Komarov. J'ai choisi de travailler avec Margaret Locke et je n'ai jamais regretté d'avoir travaillé avec une femme aussi extraordinaire, aussi exceptionnelle, qui, finalement, avec, quand je parlais des vraies maladies, aujourd'hui remet en question les normes même de la biologie, hein, parle de biologie locale. Alors, je pense que pour le sujet qui était le mien, j'avais vraiment choisi la bonne personne, avec Gilles Bibeau comme co-directeur. Alors, cet ensemble-là a fait de moi une anthropologue de la santé, finalement, qui a fait, on m'a dit, la première étude d'anthropologie clinique au Québec, c'est-à-dire une étude d'anthropologie dans un pavillon, pour utiliser le nom d'un roman célèbre des cancéreux, c'est-à-dire le pavillon Carlton-Auger. Donc, une résidence pour personnes vivant avec la maladie et devant évoluer en tant que survivant.